Bah, bonjour à tous, on se retrouve en Normandie et cette fois-ci pas de canne feeder comme vous pouvez le voir, ça va être une pêche au cou, à la canne au cou. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas pêché à la patte et puis bah, je pense que c'est un sujet qui n'a pas trop été abordé, en tout cas avec moi. Donc je vous propose de passer un petit moment, ça va être une pêche détente, c'est pas le but, c'est pas de faire plein de poissons. Donc là on est dans un carpodrome. Donc je vais essayer surtout de les toucher sur les bordures. Pourquoi? Tout simplement, j'ai envie d'avoir une pêche de confort aujourd'hui. Donc pêcher pas forcément à 13 mètres, mais plutôt à, on va dire, 9,50 m, 10 mètres avec les rallonges. Parce que bah, c'est facile à déboîter, c'est confortable, et puis c'est vraiment une journée plaisir. Par contre, par sécurité, j'ai prévu trois postes. Un poste à ma droite, qui est dans 50 cm d'eau sous les arbres. Un poste sur ma gauche, à 1,10 m de profondeur. Après, c'est un peu délicat, on est dans une balastière, c'est des coups de pelle, donc on a des fonds irréguliers, c'est pas forcément toujours évident de sonder correctement. Et puis, bah, j'ai mis un coup à 11,50 m, là où j'ai carrément 1,80 m de fond. On va voir, donc on va alterner en fonction des touches et des moments. Après, bon, ça va être une pêche à la patte, je vais vous présenter un peu la technique, c'est surtout intéressant. C'est surtout la bonne période pour y pêcher, hein, dès qu'il commence à avoir des fortes chaleurs. C'est un produit qui a été vachement utilisé il y a 5-6 ans, il y a eu un effet de mode. On en entend un peu moins parler dans les compétitions en carpodrome, mais il y a encore des gens qui l'utilisent. Mais on peut faire de magnifiques pêches en prenant le temps. Bon, par contre, c'est vrai qu'à la pêche à la patte, on va avoir beaucoup de touches, beaucoup de décroches, mais ça fait partie aussi de la pêche, donc il va falloir se gratter un petit peu la tête. C'est-à-dire déjà commencer en fonction des touches. Ici, on est quand même sur une sablière. Néanmoins, les poissons ont des bouches tendres. Donc, il faut éviter les hameçons forts de fer, plutôt des hameçons bien piquants. Donc là, on est dans un carpodrome. Donc, les tailles, ça va être 10 maxi carpodrome. Parce qu'en dessous, on utilise quand même des grosses bouchées. Mais je vais vous montrer. Voilà à peu près l'approche d'aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à pêcher. Avant de lancer ma ligne à l'eau, je vais rapidement vous montrer un kit que j'ai préparé. Alors, au niveau de la ligne, déjà on va commencer par la base. Donc là, généralement à la carpe, surtout sur, on pêche en direct, c'est-à-dire que j'ai pas de bas de ligne. Donc je vous montrerai plus en détail tout à l'heure, mais voilà. Donc là vous avez ma ligne, l'hameçon, la patte. Alors comment ça se passe? Là on a un godet, c'est le godet qui sert en fait à amener la patte. Alors pourquoi on utilise un godet? Tout simplement parce que ça reste quelque chose d'assez fragile. Et par gravité, si on emmène la patte comme ça, à un moment, elle va tomber. Donc là, on se sert d'un godet pour emmener la patte sur le spot que vous avez choisi. Après, la distance avec le sion, tout va dépendre aussi de la longueur de ligne qu'il y a derrière. Il faut avoir un bon arc de cercle. C'est tout simplement pour que ça soit pratique, pour ne pas avoir d'emmêlage au moment qu'on emmène le kit au-dessus de l'eau. Donc il y a des distances à respecter. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai rajouté un godet. C'est le godet où je viendrai remettre du pelé. Parce que c'est fish after fish, comme on dit. C'est qu'on vient rapporter un petit peu de pelé. Et à force des poissons, on entretient son coup, tout simplement. Je rentrerai un peu plus dans le détail après sur la ligne. Là, j'ai trop envie d'aller pêcher. Ok. Allez, c'est parti. On va faire par le coup de bordure de gauche. Donc là, j'ai amorcé tout à l'heure, en démarrant le coup, avec une grosse coupelle. Donc là, essentiellement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir déposer ma patte. Et au fur et à mesure des touches, je reviendrai rajouter du pelé. La difficulté de la pêche à la patte, en fait, c'est l'amorçage. Il faut savoir doser son amorçage, parce que si vous en mettez trop, vous avez trop de fausses touches. Et du coup, le poisson n'est plus du tout intéressé. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un troupeau de carpes sous l'eau. Et c'est pas forcément le poisson va venir s'accrocher dans votre ligne et attirer le bouchon. Et vous pensez avoir des fausses touches. Donc la difficulté, en fait, c'est l'amorçage. Il faut vraiment y aller délicatement et régulièrement, mais avec des petites quantités. Donc là, j'ai déjà une activité sur le coup. Donc au niveau de la patte, ma patte est posée carrément au fond, légèrement remontée un petit peu. Comme je disais, on a vraiment un fond irrégulier, donc c'est délicat quand même pour trouver le bon fond. Là, j'ai trouvé un petit plat. Je ne suis pas tout à fait sur mon plat où j'ai sondé. Mais après, je vais me redécaler vers la gauche. Voilà, c'est le premier coup, on se met en place. On va regarder comment réagit le poisson. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, j'ai volontairement réduit entre l'extrémité de mon sion et mon flotteur, j'ai réduit mon bas de ligne. On va dire la ligne principale,
du fait que je veux vraiment sentir, dès que le flotteur coule, il faut que je puisse ferrer, quoi. Éviter l'inertie, en fait, parce que là, sinon, on va avoir beaucoup de décroches. Voilà, par exemple, ça commence. Alors là, vous pouvez voir un petit morceau. Alors, ce que je fais là, pour l'instant, c'est que je commence avec un montage tricheur, on va dire. Je viens y rajouter un petit peu les mous. On peut mettre un maïs, hein, par exemple. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, j'ai ma pâte, là, je viens de la faire. Elle est encore un peu tendre. Elle se décroche légèrement, en fait, avec les va-et-vient du sion et le poisson qui passe en même temps. Donc, il me reste toujours quand même un appât pour que ça reste attractif. Allez. Donc après, c'est pas compliqué, hein. On prend un morceau de pâte. Là, je viens enrober en fait mon hameçon et le pelé mou. Voilà. Je fais une petite forme comme ça, comme vous pouvez le voir. Zou. Toc. À l'aide d'un godet, pour pas s'en foutre plein les doigts, je viens mettre un petit peu de pelé dans la grande coupelle. Pas trop. Et c'est ce qui va me faire mon rappel fur et à mesure de ma pêche et de mes prises. Donc là, on va se décaler un peu sur la gauche. Voilà. Là, je vais raligner ma patte sur l'endroit où je viens d'amorcer la coupelle. Et puis ce coup-ci, on va essayer de réussir à le ferrage à la touche. Donc, comme je disais en aparté tout à l'heure, hein, dans l'introduction, ne soyez pas surpris, à la patte, on a beaucoup de décroches. Ce que je vous propose en attendant la touche, c'est de vous montrer comment je prépare la patte Sonubets, parce que sincèrement, pour quelqu'un qui n'en a jamais préparé, ça pourrait être surprenant. On refera l'intro après. Et ben voilà, c'est parti. On n'aura pas attendu, vous voyez, la deuxième pause, c'est parti. Donc là, on est encore dans les réglages. Hein. Faut pas s'emballer. Je pense que des décroches, je vais en faire. Écoutez, ce que je vous propose, pendant le combat, là, je vous montre comment je prépare la pâte. Parce que pour quelqu'un qui débuterait, qui n'a jamais utilisé les pâtes Sonubets, par exemple la one-to-one, ça peut être un peu déconcertant. Et donc vous allez le voir pendant la préparation et on se retrouve après avec le poisson. A tout de suite. Pour la préparation de la pâte, alors j'en profite là parce que pour vous montrer l'opportunité. Donc il y a différents produits, par exemple chez Sonubets. Hein. Alors l'avantage pour quelqu'un qui veut débuter et apprendre à pêcher la pâte, dedans vous y retrouverez aussi un petit kit coupelle pour emmener la pâte sur votre poste. De toute façon, durant la vidéo, vous verrez comment ça fonctionne. Donc il y a différents parfums, après c'est toujours pareil, hein, c'est en fonction du goût du pêcheur, hein, comme je dis assez souvent, avant d'attraper le poisson, on attrape le pêcheur. Après vous avez des produits qui sont intéressants, surtout en cette période. Alors pour la préparation, là on est sur du one-to-one, donc c'est assez simple, mais ça peut déstabiliser quelqu'un qui pour la première fois va essayer. Donc vous prenez un gobelet, un récipient, et le but en fait c'est mettre une part de poudre, une part d'eau. Voilà, donc je vais la préparer, on va faire du chocolat. Voilà. Alors une fois que vous avez rempli, donc là vous repérez visuellement, je vois à peu près où faut que j'aille la douche de flotte. On vient, hop, et maintenant, voilà, la dose d'eau. Une fois que vous avez fait ça, vous versez tout ensemble et on vient mélanger, bien mélanger tout ensemble, que ce soit bien homogène. Alors là, ça vous fait vraiment... Alors, c'est pour ça que j'expliquais et je voulais vous montrer quand même, parce que là, ça fait une purée en fait bien liquide. Et là, vous allez laisser reposer entre 15 et 25 minutes. Le mieux en fait, c'est aussi que vous pouvez faire ça la veille, le préparer la veille, le mettre au frigo, comme ça vous êtes tranquille, vous arrivez, votre pâte est prête, vous pouvez pêcher. Là, j'ai à peu près 25 minutes d'attente. Donc, on va laisser s'agglomérer tout l'ensemble. Et après, on va se retrouver avec une consistance assez solide, qui permettra de tenir à l'hameçon et vous pourrez emmener votre pâte à l'aide du petit godet qu'on mettra en solution
Mais ça, je vous expliquerai en cours de pêche. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, on a un cheptel ici qui est quand même essentiellement des petits poissons. Il y a quelques beaux spécimens à faire. Après, on arrive à faire des poissons de 6-7 kg sans problème. Il y a quelques cheptels, des poissons de 10 à 14 kg. Donc à la Kanuku, c'est super sympa. Mais par contre, que ce soit du petit ou du gros poisson, ils ont la santé. On a des jolis combats avec l'élastique, comme vous pouvez le voir. Donc là, il faut que je fasse gaffe à gauche. Parce qu'il y a bien sûr l'arbre, et bien sûr vous vous en doutez, quand elles se sentent plus emprisonnées, elles ont tendance à partir sur la gauche. Et du coup, c'est pas évident. Donc on peut risquer de perdre des poissons ou s'écrocher dans la branche. Alors moi, j'ai tendance à travailler quand même rapidement avec le kit. C'est une habitude que j'ai prise, je préfère avoir le kit dans la main. Donc vous allez le voir encore durant la pêche, mais je déboîte assez rapidement, quoi. C'est un beau poisson quand même. Pour commencer, c'est top. Essayez de ne pas louper le fait l'épuisage. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pratiqué cette pêche. Ça fait toujours plaisir de refaire. Alors la pêche à la patte, c'est vrai que comme je disais en introduction, c'est quand même une pêche qui est beaucoup utilisée l'été. Mais ceux qui sont fada de la pêche à la patte, ils l'utilisent toute l'année. Hein, à la patte, on peut faire du poisson toute l'année. Après, vous avez des pattes différentes en fonction des saisons. Voilà. Et voilà. Ah, elle est belle. Hein. Elle est belle. Bon alors, vous avez vu la préparation de la patte, c'est assez déconcertant. Et je vous avouerai que la première fois que j'ai essayé la one-to-one, il y a bien longtemps, hein, parce que je connais bien les produits Sonubets. Je les utilise depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on a tendance à la première fois à dire ouais, le produit ça va pas, ça marche pas. Donc il faut essayer. Donc ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu. Comme ça, ceux qui voudraient essayer, soyez pas surpris. Ça fait vraiment une purée. Et après, ça va se consolider et elle sera prête à pêcher. Voilà. Donc le produit il est génial. C'est juste la façon de l'utiliser qui est importante. Allez, je vous montre le poisson. Voilà. Un petit poisson pris en bordure. Il y a plus gros bien sûr, on verra bien. On verra si les dieux de la pêche sont avec nous aujourd'hui pour vous montrer d'autres fiches, peut-être plus gros. Après, l'important c'est de prendre du plaisir. Peu importe la taille du poisson. C'est des jolis combats. Voilà, sur les deux faces. Allez, moi je vous laisse, hein. Je continue à aller pêcher. Je vous propose de prendre 5 minutes. Comme j'ai dit, de toute façon, aujourd'hui, c'est une pêche détente. C'est pour vous faire découvrir un peu la pêche à la patte. Du coup, sur les flotteurs, pour quelqu'un qui serait intéressé à pêcher à la patte, il y a quelques flotteurs à utiliser. Alors, on utilise des flotteurs à grandes antennes. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que quand on va avoir mis la patte sur le flotteur, on va régler au milieu. Et pour qu'on voit quand même la moitié, qu'on voit quand même des touches. Hein, comme vous pouvez voir, on a quand même des touches assez violentes. Et des fois ça part complètement au fer dans le vide. Et quand la patte a fondu ou a quitté l'hameçon, bah le flotteur, en fait, vous êtes comme, je vais mettre comme ça, je vais poser celle-ci, là,
imaginez, on est comme ça. Et quand la pâte va se dissoudre ou se décrocher de l'hameçon, ça va remonter. Donc l'avantage, ça vous permettra de voir que la pâte, elle est partie, et pour remonter votre ligne et pas perdre de temps en efficacité de pêche. Voilà. Généralement, c'est des flotteurs à forte antenne. Il faut quand même un peu de charge. Donc là, on est sur des antennes de 2,5, si je ne dis pas de bêtises. Après, on va être sur le même système de grammage. Ça va dépendre de la finesse de la pêche, de la profondeur. Vous pêchez, s'il y a du vent, du courant de fond. Enfin, après, ça ne change pas que d'une pêche traditionnelle. Donc on a ce style de flotteur. Ensuite, on a ces flotteurs aussi qui sont intéressants, que j'aurais pu en fait utiliser aujourd'hui. Tout simplement, pourquoi? C'est parce que, comme je vous ai dit, on a des fonds irréguliers. Donc l'avantage, c'est qu'on a toujours l'antenne qui est réglée correctement. On n'est pas obligé de remonter la ligne parce qu'on s'est décalé un peu, peu importe la distance. Et des fois, quand les pêches sont compliquées, j'aime bien utiliser ce style de flotteur parce que quand l'antenne est complètement coulée, je sais que je peux ferrer et le poisson, il est pris. Sinon, c'est le même principe, on va régler une certaine distance. Voilà, et quand la pâte remonte, le flotteur remonte, vous savez qu'il n'y a plus de pâte au bout de votre hameçon. En tout cas, utilisez vraiment des grandes antennes. Il faut minimum 5 cm, c'est quand même plus pratique. Alors, cas exceptionnel, vous allez le voir au travers de cette vidéo. Là, j'ai utilisé un flotteur différent. Mais pourquoi? Tout simplement parce que je viens vous présenter une pêche à la pâte. Mais si les poissons ne veulent pas de la pâte, je me suis quand même mis une sécurité. Donc là, ça va être des flotteurs que je peux quand même utiliser à la pâte. Pourquoi? Parce qu'on est sur des flotteurs là avec une forte portance. Et comme je pêche au bord dans 50 cm d'eau, je préfère avoir une pêche fine, ça va bien s'y prêter. Et même si mon flotteur, en fait, il est à rasette, vous le verrez, c'est à rasette, avec les lunettes polarisantes, quand le flotteur part, je peux ferrer et j'ai le poisson. Là, l'avantage, en montage tricheur, comme je vous ai monté, avec un petit pelé et un bout de pâte, ça marche nickel. Voilà. Bon, là, c'est vraiment cas exceptionnel. Je me répète, c'est une initiative que je prends. Ce n'est pas vraiment des flotteurs pour pêcher à la pâte, c'est plus pour pêcher au pelé ou au maïs sur des appâts forte portance, voilà, tout simplement. Mais là, on peut toujours s'adapter en fonction, des fois on n'a pas toujours les flotteurs qu'il faut. Donc si vous voulez essayer, par contre là, comme je disais, vraiment une antenne assez longue, un diamètre assez fort de portance pour que ça soit bien équilibré dans l'eau. Voilà, ça c'est pour les flotteurs. Bon, alors concernant le montage de la ligne. Alors, moi personnellement, à la pêche à la pâte, surtout qu'on est dans une période d'été, on ne va pas parler de 18 centièmes, de 14 centièmes de nylon. Les amis, là, il faut mettre, les poissons sont en pleine santé, ils vous font des bons rushs. On n'est pas à la merci de tomber sur un gros poisson. Moi, je ne me prends pas le chou, c'est entre 25 et 27 centièmes, 30 centièmes grand maxi, bien sûr. Aujourd'hui, on aurait pu pêcher à 25 centièmes, pourquoi? Parce que c'est assez dégagé. Bon, sauf là, le buisson que j'ai à gauche, si ça va dedans, je peux casser. Là, je suis monté en 25 centièmes, en nylon de 25 centièmes, monté en direct, tout simplement. Pas de bas de ligne, il ne faut pas d'amorce de rupture. Donc, on est en direct. Donc là, vous avez un petit hameçon, nœud sans nœud, monté directement. Après, on va avoir la polémique. Ça, j'attends vos retours en commentaire, dans l'espace commentaire. Je me répète à chaque fois quand je fais une vidéo. Il y a l'espace commentaire, il est là justement pour échanger. Et moi, parler derrière une caméra, c'est intéressant. Je sais pas tout, j'ai pas la chance, j'en apprends tous les jours, comme tout le monde. Alors, si vous avez des remarques ou des idées à apporter, l'espace commentaire, il est là pour ça, pardon. Donc, je vous invite à commenter ce que vous verrez. Alors, il y a deux familles. Il y a les gens à la pâte, il y a ceux qui pêchent sans plomb et ceux qui pêchent avec plomb. Moi, je fais partie des gens qui pêchent avec des plombs, tout simplement. Alors, la petite particularité, on va dire, par rapport à une pêche ordinaire, on va dire, ou pour une pêche au blanc ou à la brème, c'est la position des plombs. Alors, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je regroupe tous mes plombs, comme on peut le voir ici. Et je laisse à peu près entre 60 et 70 cm. Là, maintenant, dernièrement, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute un petit plomb de touche près de mon hameçon. Donc ça, c'est un petit passage, un petit souvenir quand j'ai été faire une pêche à Secours. C'est quelque chose qu'ils font beaucoup, c'est de remettre un petit plomb près de l'hameçon. Alors j'ai pris l'habitude de le faire. Je ne vais pas vous dire que c'est l'effet miracle. Mais des fois, ça a quand même une réaction sur la touche un peu différente. Et surtout quand vous avez des fausses touches, j'ai remarqué en rapprochant le plomb vers l'hameçon, on a tendance à avoir la ligne un peu plus...
plus comment, un peu plus rigide, on va dire. Alors après, à essayer, essayez, hein, faites-vous l'expérience vous-même. Mais ça fonctionne bien. Bon, on va bien voir aujourd'hui si ça fonctionne. Après, l'hameçon, hein, comme je disais, je me répète un petit peu, mais c'est quelque chose d'important en fonction des bouches des poissons. Là, je suis parti sur un hameçon, on va dire, hein, pas fort de fer, un peu tendre, pour que j'ai un effet piquant, quoi. Parce que là, à la patte, ça part comme une folie. Si vous avez un hameçon fort de fer et que vous avez des poissons avec des bouches tendres, vous allez décrocher à chaque fois. Voilà. Donc là, les plombs, la batterie de plomb, et puis après, bien sûr, le flotteur, comme on vient de voir, hein, un flotteur à pattes, tout simplement. La particularité aussi, et ça, c'est quelque chose aussi qui évolue avec le temps, hein, quand je commence à pêcher à la patte, et je le vois encore aujourd'hui, des fois, quand je croise des pêcheurs au bord de l'eau, on a tendance toujours à laisser trop de bannières après votre flotteur, on va dire entre l'extrémité de votre ligne et votre flotteur. Là, je suis vraiment ric-rac, hein. Et encore, je suis sûr qu'il y a des gens dans le Nord, ils pêchent encore plus petit que moi, en distance. Là, j'ai 8 cm. Hein. Pourquoi? Tout simplement, c'est que là, comme on a vraiment des touches assez violentes. D'avoir un nylon très court après votre antenne, ça vous permet quand même d'être réactif et vous évitez en fait le temps mort de réaction entre le ferrage et le contact avec le poisson. Et des fois même, vous allez sentir dans la canne du fait et le poisson s'auto-faire. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut prendre l'habitude de le faire. Alors je sais bien, c'est embêtant parce que bah, on a une ligne qui est propre, qui est nickel, on a toujours peur, on dit bah, tiens, si j'ai besoin de pêcher ailleurs, eh ben, il faut que je rechange de ligne. Bah oui, c'est ça, mais vous verrez, en efficacité, vous y retrouverez. Hein. Donc important de ne pas mettre trop de lignes après votre flotteur. Voilà. Après, il n'y a rien de compliqué, hein. Ça reste une pêche et une ligne assez simple à faire par tout le monde. Bon, alors là, j'ai un exemple concret par rapport à tout à l'heure, ce que je vous disais. Là, j'ai un hameçon, j'ai changé de ligne parce que vous n'avez pas vu, mais j'ai cassé dans l'arbre à côté. Bah, y a une carpe qui est partie dans l'arbre, hein, c'était à prévoir. Et par flémandise, j'ai voulu prendre une autre ligne que j'avais préparée pour gagner du temps. Et en fait, l'hameçon qui est monté dessus, je suis sur fort de fer. Et là, je fais que de décrocher les poissons, donc c'est pas la peine de perdre son temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter un hameçon plus fin. Là, c'est un KKM. En 10 bien sûr, qui va être plus tendre et qui va bien pénétrer dans la bouche du poisson. Ça va quand même faciliter, je pense, ben on va le voir, j'espère pas me tromper, mais là il faut pas hésiter à changer là, parce que c'est pas la peine, sinon si c'est pour faire 10 touches et 9 décroches, c'est pas le but non plus, quoi. Alors c'est des choses que tous les pêcheurs sont confrontés au bord de l'eau, hein. Et à un moment il faut prendre une décision, aller escaler, mais il faut pas rester comme ça parce que ça sert à rien, vous allez gâcher votre pêche. La frustration, même si ça reste de la pêche et du plaisir, hein, bien sûr. Et de temps en temps, il faut savoir se remettre un peu en cause et puis essayer de changer un petit peu quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Bon, bien sûr, ça s'acquiert avec l'expérience, mais c'est tout un ensemble, la ligne, hein. Que ce soit l'hameçon, les plombs, le flotteur. Donc, quand ça commence à décrocher comme ça, merdoyer, faut pas hésiter à changer quelque chose. Donc là, je change l'hameçon. Donc là, je suis monté sur un hameçon, bien entendu, un peu plus souple, mais ça devrait mieux pénétrer dans la bouche des poissons. Alors maintenant, on va voir si ce que je viens de dire, c'est pas une bêtise. Voilà. Allez, c'est parti.
Hop. Eh ben, est-ce qu'elle va bien vouloir? Je vais vous montrer ce poisson. Enfin, vous voyez, d'avoir changé en cours de pêche d'hameçon, de passer sur un hameçon un peu moins fort de fer. Enfin, je pique quand même mieux les poissons, j'en décroche encore, hein, mais j'ai quand même plus de réussite, je suis un peu plus efficace. Bon, est-ce qu'elle va vouloir se laisser? Voilà. Ouh! Ben voilà les amis, c'était cette petite vidéo de pêche à la patte, tout en décontracte. Je voulais vous faire découvrir un peu ce que c'était la pêche à la patte. J'espère que les petits conseils vous aideront. Et c'est la période, n'hésitez pas, un petit sac, vous avez vu, c'est assez simple à préparer. Une ligne, le ligne, c'est aussi simple, hein, en mode titi, ça change pas. Et vous trouvez un petit carpodrome et vous pouvez faire quelques poissons en vous éclatant à la canne au cou. En attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la page YouTube Preston Evasion France. Comme ça, vous pourrez suivre les aventures des ambassadeurs France de différentes pêches. Et comme je le dis à chaque fois, n'oubliez pas l'espace commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et à échanger sur notre passion qui est la pêche. Allez, à très vite pour d'autres aventures. Ciao.